Rachel va nous sortir un peu de notre quotidien <laughs> oui. et vous emmener en Corse ce matin euh, admirer des citronniers. Admirer des citronniers, effectivement. Euh, alors ça va bah, peut-être aussi vous parler parce que alors moi je, je défends les valeurs de la slow cosmétique, c'est-à-dire prendre soin de soi de manière raisonnée, euh, beaucoup plus euh, intelligente si je peux dire, hein, sans euh, juger d'autres manières de prendre soin de soi, mais je vais, je vais vous expliquer pourquoi parce que Ici, aujourd'hui, j'ai envie de mettre en valeur de l'hydrolat de citron. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un hydrolat hein Oui. Qu'est-ce qu'un hydrolat C'est pas ah, du tout comme une huile essentielle. Non, 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 ça n'a rien à voir, mais ça fait partie du processus. Donc l'hydrolat va être en fait euh, l'eau qui reste euh, de la distillation d'une plante aromatique à la vapeur d'eau. Donc avec une distillation, nous avons deux produits l'huile essentielle et l'hydrolat. Et en cosmétique naturelle, on l'utilise énormément. Alors ici, j'ai choisi le citron et la bouteille que j'ai en main. Euh, je ne peux pas citer la marque, mais sachez que c'est euh, ça fait partie d'une du, d'une d'une très Très belle, très belle gamme, pardon, excusez-moi. <laughs> Je... Je bégayais un petit peu, d'Isabelle Buret, qui est en fait une, une. Elle cultive et elle a des champs d'immortels euh, ben, en Corse, hein, justement, euh, à Porto Vecchio, bien plus précisément. donc une agricultrice que vous nous présentez ce matin. Oui, et exactement. découvre en photo la diversification. Voilà. Oui, donc non seulement elle a des champs d'immortels, mais elle va cultiver aussi des plantes sauvages comme le romarin, euh, la myrte. Elle va vraiment avoir cette récolte-là et elle va distiller ces plantes-là. Dans, dans, de, 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 carrément sur place. Et elle va également produire une gamme de cosmétiques bio avec tout ce qu'elle a utilisé comme plantes, hydrolat, l'huile essentielle. Elle fait tout elle-même, dont ici l'hydrolat. Elle vous a séduite. Elle m'a complètement séduite. Et donc, du coup, je prends son hydrolat de citron. Est-ce que vous êtes allé jusqu'en Corse avec votre tracteur Non, ce serait bien. Je pense Et que il va ça pourrait. On pourrait y faire. penser l'année ouais. prochaine. S'embarquer <laughs> à bord d'un ferry, ça serait bien. ou pas, pas. Pourquoi pas. Alors, euh, l'hydrolat de citron, à quoi ça se la sert dans les cosmétiques Brut comme ça, on va pouvoir le vaporiser, par exemple, sur un coton et le mettre sur une peau qui a des imperfections comme l'acné. Oui, c'est pas acide comme une huile essentielle. On... Ça... Mmh. Oui, 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 oui. c'est vraiment euh, c est, c est, c est beaucoup plus facile. Comme ça a été distillé, ce n'est pas photosensibilisant. Parce qu'effectivement, les huiles essentielles de citron, à la base, ça se trouve dans le zeste de citron. Donc, ça ne se distille pas, c'est très rare. Il suffit de presser le, le, le citron et on a les... L'essence de citron. Normalement, on dit l'essence de citron et pas l'huile essentielle. Mais là, dans ce cas-là, on va prendre le zeste du citron, on va le distiller. Par conséquent, avec la distillation, la molécule aromatique qui sensibilise la peau au soleil disparaît. Voilà et euh, on peut avoir son hydrolat. Donc beaucoup plus facile d'utilisation, c'est pas photosensibilisant. Donc un coton sur le visage, donc est... impeccable contre l'acné par exemple quoi d'autre l'acné parfait. Vous pouvez également en faire une pâte à dents. J'aime bien pâte à dents, ça me fait penser à un film. Vous prenez <laughs> dents, oui, oui, la pâte à dents de chez les visiteurs, c'est de la pâte à, hein ah à dents. Vous vous rappelez plus ouais, Dans ouais, quoi Les visiteurs. La pâte à dents, vous vous rappelez Merci. Ouais, ouais, ouais. Alors, comment on fait une pâte à dents De manière très simple, vous prenez de l'argile blanche, on trouve ça dans tous les magasins, les boutiques de cosmétiques naturels. Vous prenez un peu d'hydrolat de citron et en fait, vous allez mélanger tout simplement l'argile blanche et l'hydrolat. Et vous avez une pâte, alors j'en ai pas mis beaucoup, je vais encore mettre encore un peu. Et vous allez nous faire une démonstration sur vos dents Non, parce qu'il faudra que je. je pardon, j'ai mis ça là. Hum, Est-ce que vous sentez l'odeur Oui. On sent, ça sent bon. Voilà. Et avec cette pâte-là, on peut se laver les dents parce que l'argile est tout à fait nettoyante. Et on met ça bon. sur la brosse à dents directement Oui, et vous lavez les dents. Ça, c'est vraiment top. Vous allez pouvoir faire également avec de l'hydrola euh, de, de citron. J'avais plein d'astuces et j'ai oublié. Ah oui. Vous avez comment Allez-y. Oui, vous allez pouvoir également euh, les mettre dans les salades de fruits. C'est très très bon. bon hein. Oui, c'est tout à fait comestible. Donc ça, c'est comestible. C'est comestible. C'est ça qui est génial en cosmétique naturelle, c'est qu'on peut utiliser des produits pour se rendre beau et les manger. Dans les gâteaux Oui, dans les gâteaux, les salades de fruits et aussi vous pouvez en faire un petit sirop. Je vous ai fait un petit, euh, une petite euh, boisson euh, rafraîchissante à côté, vous avez donc c'est euh, de l'eau mélangée à de l'hydrolat de citron. Jusqu'ici ça sent le citron, ça sent le citron ça Donc va. ce n'est pas, euh, on n'a on a pas l'acidité du citron, hein. on a vraiment le goût du citron. Alors là j'ai mis du sucre, mais normalement si vous pouvez juste de l'hydrolat de citron avec un peu d'eau, ça nettoie le foie aussi. Les... Pour les lendemains de fête, ça peut être intéressant. Pour les lendemains de fête, Virginie. On est dans la bonne période alors. Bon, si c'est bon. Oui c'est bon. C'est génial. Mais... Non c'est bon. C'est vraiment très chouette. Donc on peut se rafraîchir la laine, se nettoyer les dents, oh là là. se nettoyer le foie et avoir aucun bouton grâce à l'hydratation. <laughs> Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'hydratation citron C'est fantastique, non <laughs> Comment ça se conserve Alors très bonne question parce oui. que étant donné que c'est de l'eau et qu'il n'y a pas de conservateur, d'accord, il faut le mettre au frigo. Ou alors, si vous vous respectez bien et que vous fermez toujours bien le, le flacon et que vous ne le mettez pas à côté d'un chauffage ou que ça change trop de température, vous pouvez le garder un mois, mais en dehors du frigo. Si vous le mettez dans le frigo, ça va beaucoup plus longtemps, 6 hein, mois, un an. Et si on met dans les, je reviens à la nourriture, si on met dans les crêpes, par exemple, c'est un peu comme si on mettait une fleur d'oranger ou quelque chose comme ça, ça parfume légèrement. Exactement. Aussi. Exactement. Et même euh, sur soin pour se rafraîchir, un petit déodorant, par exemple sur le cuir chevelu pour, en, pour enlever le côté euh, euh, l'excès de sébum, quand on... C'est vraiment très chouette. On peut faire et comment on sait si, parce que vous n'avez pas dit la marque, mais comment non. nous, on sait euh, dans le commerce si c'est bon ou pas bon Alors, se reléfier. Se, se, reléfier, se, se, euh... se peu, de... référer au... Mais maintenant, pour vous, euh, les, les, les téléspectateurs, hein, je vais vous donner un truc euh, comme ça, vous allez aussi être professionnels. Vous retournez la bouteille, vous apprenez à lire les étiquettes et il faut voir que le nom latin. Et ici, le nom latin, c'est alors citrus, lemon, aqua, extract. Ça, c'est vraiment le nom latin et comme ça pour toutes les plantes. Et il n'y a rien d'autre qui doit être ajouté. Il n'y a pas un parfum euh, ou autre ingrédient. Et là, vous êtes sûr que vous avez de l'hydrolat naturel. Exactement. Merci beaucoup, Rachel. Ça